Enfin, je l'ai trouvé. Pourtant pas un remake, mais je ressens une perturbation dans la force. Bon, le Rindar a dit qu'il n'est pas loin. Je suis sûr qu'il est dans les alentours. Il est tout près, je le sens. Il doit être parmi ces ruines, mais c'est tellement grand ici. Par où commencer à chercher? Bon sang, je vais en avoir pour des heures. Notre radar a repéré un vaisseau ennemi, une vieille guimbarde. Faites préparer mon vaisseau et que deux hommes viennent avec moi. Vous, en attendant, vous allez rester ici, surveiller le vaisseau mère. Bien, mon général, je reste ici et je vous informe en cas de mouvement, il n'y a pas de souci. Ah, enfin, je l'ai trouvé. Tout va changer maintenant. Le crâne des hippies, enfin, il est à moi. Avec le pouvoir que détient ce crâne, je vais enfin pouvoir renverser l'Empire. Avec ça, je serai invulnérable. Enfin, si j'arrive jusque sur Albion. Nous avons repéré le vaisseau ennemi. Je le reconnais. Je me pose à proximité du vaisseau. Je le savais, je reconnais ce vaisseau. J'en suis sûr. C'est le vaisseau de Wheat Solo. C'est certain. Retrouvez-le, exterminez-moi cette vermine. Je t'ai enfin retrouvé, Wheat Solo. Tu vas me le payer. Bonjour, général. Hé, hey, que me voulez-vous? Non, je n'ai rien fait. Arrêtez, pourquoi vous pointez ces armes sur moi? C'est par rapport au crâne que j'ai ramassé, mais franchement, il était déjà là, j'ai rien volé. Ça n'a rien à voir avec le crâne. C'est après toi que j'en ai, Wheat Solo. Je suis là pour t'exterminer. Abattez-le! Tuez-le! Non, général, on va se le faire. Ok, vous le prenez comme ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est pas la même, hein, ça sort mon engin. Tiens, prends ça. Vite, soldat, rattrapez-moi cette infâme, Wheat Solo. Ramenez-le-moi, mort ou vif, ou en chair à saucisse. Il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est de courir, bon sang. C'est bon, ils m'ont pas suivi, putain. Ah putain, j'en peux plus, putain, oh là là, c'est dur. Il s'est enfui en direction du désert. Rattrapez Wheat Solo, vite, poursuivez-le. C'est de l'envisuel, mon général. Et voilà une petite surprise, mes cocos. Attention, il a lâché une bombe. Mettez-vous à l'abri, vite. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Oh merde, c'est ça. Je vais aller me cacher derrière ce rocher là-bas. Je sais pas ce qu'ils me voulaient, ces trois-là, mais ça me présage rien de bon.
Allez, putain, c'est loin. Merde, je vous ai échappé. Bordel. Vite, retournons au vaisseau. Oui, Solo a réussi à s'échapper. Je vais me le faire. Il va devoir rentrer à pied. Je lui ai fumé son vaisseau. Bon sang, c'est la dernière fois que je fais tout à pied. Bon, je crois que je suis arrivé. Normalement, à l'intérieur, elle devrait pas. Oui, Solo, un dernier petit effort et t'es arrivé. Bon, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il est vraiment temps que le général arrive, hein, parce que moi j'ai plus rien à me mettre dans le pif, ça, c'est chiant ça. Comment s'est passée votre mission, mon général? Il s'est absolument rien passé. La mission s'est très mal passée. Whit Solo est en fuite. Il s'est enfui dans le désert. J'ai fumé son vaisseau avant de partir. Ne vous en faites pas, général. Allez, on se tire de là. Passons en mode hyper vitesse. On décolle. Bien, mon général. Mode hyper vitesse enclenchée. Ça va déménager. You. Et voilà, mon général, ma hyper vitesse enclenchée. Quelles sont la suite des événements? Dites-moi tout, général LCFR. Retournons à la base. Nous allons devoir en parler au seigneur Shit. Merde, Whit Solo s'est échappé. Seigneur Soufflette, poursuivez-moi ce mécréant de Whit Solo. Mon général, j'arrive. Passez-moi ce foutu désert au peigne fin. Et tout de suite. Hey, général LCFL, vous m'avez parlé de peigne. Tenez, j'ai ce qu'il vous faut pour ma nouvelle coiffure. Attends, bouge pas, je vais venir te faire une coupe. Aldo, mon général. Abonnez-vous, sinon il va me tuer. Lâchez cette tronçonneuse, général, s'il vous plaît.